Nouvelle performance du funambule Nick Wallenda. L'acrobate américain a arpenté le sommet d'une grande roue à 122 mètres du sol. L'attraction touristique doit être inaugurée début mai à Orlando en Floride. Pour effectuer sa voltige, Nick Wallenda est monté comme n'importe quel autre passager dans une cabine. Mais une fois en haut, il s'en est extrait pour rejoindre le cercle extérieur de la structure. Le début d'une marche périlleuse sur une barre de 15 cm de large seulement, rendue glissante par l'humidité. Le tout sur une roue en mouvement qui l'a obligé sans cesse à avancer tout en enjambant les câbles afin de ne pas tomber. What's that? It looked a little easy. Well, you know what? When you're up there, there ain't nothing easy when you're up 400 feet. Nick Wallenda a l'habitude des traversées spectaculaires sans le moindre filet de sécurité. En 2012, il est devenu le premier homme à joindre sur une corde raide les deux rives des chutes du Niagara, un exploit réitéré au-dessus du Grand Canyon en 2013.